C'est un voyage extraordinaire que nous propose l'étude Daguerre à travers ce tableau qui sera vendu le 2 décembre prochain à Paris et qui est un tableau extraordinaire à plus d'un titre. L'artiste s'appelle Raden Saleh, c'est un prince indonésien qui est originaire de l'île de Java. C'est donc à plus de 10 000 km de l'Europe que ce tableau nous emporte. L'artiste est un artiste assez curieux, assez emblématique. Vers l'âge de 15-18 ans, il rencontre un artiste qui a fait le voyage en Indonésie, qui s'appelle Antoine Payen. Antoine Payen va lui donner un petit peu les rudiments de son art, et vers l'âge de 20 ans à peu près, Raden Saleh va partir en Europe. Il va partir d'abord en Hollande, il va visiter l'Allemagne, l'Angleterre, l'Écosse, la Suisse, la France, et il rencontrera des peintres qui vont le marquer. En Hollande, il va rencontrer Kruisman, qui est un peintre de portraits, et puis Andreas Schellfaut, qui est le peintre de paysage le plus important de sa génération. En France, il va rencontrer le peintre Horace Vernet, qui était vraiment véritablement son mentor, qui va énormément l'influencer, qui va également peaufiner un petit peu sa façon de peindre. Il aura passé 23 ans en Europe. Et quand il va revenir à Batavia en 1852, eh bien, il va continuer ce qu'il avait commencé à faire en Europe, c'est-à-dire des grandes chasses qui étaient influencées évidemment par l'art d'Horace Vernet. Mais aussi, à partir de 1853, avec un premier paysage, mais 1860-61, il va véritablement s'adonner au paysage. Et il va donner plusieurs versions de cette vue de Megamendung. Donc, 10 ans, 15 ans et presque 20 ans plus tard, l'artiste revient sur ce même sujet. Mais le tableau emblématique, c'est celui-là. C'est celui dans lequel il a énormément donné, celui auquel il a donné le plus d'ampleur, puisque c'est le plus important. Le tableau fait plus d'1,70 m de large. Donc c'est véritablement un tableau majeur pour Raden Saleh, pour le paysage indonésien, qui est une des premières vues de la forêt, de cette forêt tropicale dans laquelle on sent la moiteur, l'extraordinaire chaleur. On voit bien dans le côté jaune comme ça et brumeux. Cette nature est omniprésente et que Raden Saleh rend hommage à la nature. Il rend hommage aussi en donnant l'échelle des personnages. Les personnages sont minuscules par rapport à la nature. Cette forêt qui prend la totalité de l'espace du tableau, avec ce ciel qu'on devine avec le soleil qui vient en contre-jour. On voit ce chariot qui dévale à toute vitesse, qui est probablement un chariot de poste, puisque cette route est une route de poste qui a été ouverte au début du 19e siècle et qui traverse de part en part l'île de Java. Et on voit le cocher qui est en train de hurler, de prévenir le personnage qui est au premier plan ici, qui remonte tout doucement avec son ballot sur les épaules, qui est probablement une cuisine de campagne en fait. Et on a deux personnages ici, l'un est presque dans cette cavité des racines de cet arbre extraordinaire qui monte avec ses lianes. La forêt primaire, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, puisque donc c'est une forêt qui est probablement la forêt telle qu'elle était il y a des millions d'années et qui se régénère par elle-même. Donc il y a ici des plantes qui sont reconnaissables et qui ne sont certainement pas des choses inventées. Raden Saleh étudiait la botanique, il était en relation avec des gens qui connaissaient parfaitement la botanique, qui s'intéressaient à l'histoire naturelle, qui s'intéressaient aux animaux vivants, à cette découverte un petit peu de ce monde que l'on connaissait finalement assez mal, en tout cas en Europe. Et on peut imaginer que Raden Saleh avait vu le traité de paysage de Pierre-Henri de Valenciennes, qui a marqué toute une génération d'artistes. Ce tableau a été daté 1861. Le tableau a été acheté, ou probablement acquis, en tout cas directement auprès de l'artiste, par un membre de la famille Cassalet. Les Cassalet, c'est une famille un petit peu emblématique de l'île de Java, qui est très implantée à Batavia dès les années 1845. Deux frères, Félix et Ernst, vont s'implanter, faire une fortune considérable à Batavia. Ils ont un neveu qui s'appelle Édouard et qui va être le propriétaire de ce tableau très tôt, probablement entre 1862 et 1865. C'est un tableau qui est dans un état exceptionnel. Le tableau n'a jamais bougé de la famille Cassalet, transmis en ligne directe depuis Édouard Cassalet. Il est sur sa toile d'origine. Le châssis a été changé probablement au début du XXe siècle. On a un tableau qui est tout à fait dans son jus, qui est encore avec ses vieux vernis. C'est un tableau qui va être une merveille à nettoyer, avec un ciel qui va être dans des bleus gris argentés. Et puis ces frondaisons absolument extraordinaires, avec des tonalités qu'on va retrouver très, très variées. Dans cette vente, la vente de Daguerre du 2 décembre, il y aura également, conservé par la famille, deux albums de photos, qui sont des albums de photos extrêmement rares et qui portent le nom
de Édouard Cassalette. On a dans les albums la photo de la maison de Raden Saleh, qui est une maison absolument incroyable. Il y a des photos d'énormément de personnages importants, identifiés ou non.